Ce lundi 7 novembre 2022, TF1 débutera une nouvelle semaine de Demain nous appartient à 19h15. Le clan Donnier plongera en plein chaos. Aurore prendra une décision lourde de conséquences. Celle de dénoncer Brigitte, la mère de William, à la police. Dans les prochains épisodes de Demain nous appartient, la vérité sur la mort de Delphine, Emilianx, éclate. Après avoir été dénoncée par Aurore, Julie Desbazac, Brigitte, Catherine Jacob, passe aux aveux. Elle relate à la police les conditions dans lesquelles Delphine a chuté des escaliers. L'arnaqueuse est morte, quelques jours plus tard, à l'hôpital des suites d'une hémorragie cérébrale, consécutive à sa chute. William face à l'impensable sur TF1 alors que l'avenir de Brigitte s'inscrit en prison, William n'entend pas pardonner Aurore. Le médecin prend une décision radicale. Celle de quitter le domicile des Donniers. Aurore tente de le retenir en l'incitant à dormir dans la chambre de Sophia, Emma Smet, le temps que la situation s'apaise, en vain. William reproche à sa femme de l'avoir mis face à l'impensable en dénonçant Brigitte. William martèle qu'Aurore a commis l'irréparable et qu'il ne la pardonnera pas. La capitaine Jacob ne sait plus quelle attitude adopter. Elle se tourne vers Bénédicte, Honorine Magnier. Sa belle-sœur assure qu'elle ne sait pas où William compte désormais aller. Parallèlement, il apparaît que William a quitté le domicile des Donniers pour aller s'installer à l'hôtel. Quel avenir pour Aurore dans Demain nous appartient? William s'attelle à appeler Manon, Louvia Bachelier, pour lui expliquer son choix de quitter le domicile des Donniers. De son côté, Aurore reçoit la visite d'Étienne, Patrick Guérino. Le CPE du lycée Agnès Varda est venu s'assurer qu'elle tenait le coup. Il se montre rassurant. Selon lui, cette crise est provisoire. William va finir par revenir chez les Donniers. Celui-ci va-t-il concéder à s'y résoudre? Rien n'est moins sûr. Demain nous appartient est à retrouver du lundi au vendredi à 19h15 sur TF1.